Bonjour, je vais vous présenter le bois puant, également appelé bois de Pion. C'est une espèce endémique de La Réunion et de Maurice. Alors, les individus présentés ici sont encore jeunes. Ils ont été plantés au parc de la Trinité à Saint-Denis de La Réunion. Et adultes, ils peuvent atteindre 10 mètres de hauteur. Alors, les feuilles, quand elles sont exposées au soleil, présentent une nervure centrale rouge. Et c'est entre décembre et janvier que la floraison débute et c'est là où elle sera la plus fournie. Donc là on peut voir les boutons floraux avec quatre sépales verts. Il n'y a pas de pétales. Alors, floraison peut se poursuivre jusqu'au mois de juin, mais il y aura beaucoup moins de fleurs que sur cet arbre-là qui fleurit en janvier. Alors ouverte, les fleurs laissent apparaître de très nombreuses étamines qui entourent un style central. Donc ici la fleur de profil. Et ces fleurs attirent les abeilles car elles y trouvent énormément de pollen. Donc là on les voit en train de travailler à récolter le pollen. Donc elles le récoltent avec leurs pattes avant et elles vont le stocker sur leurs pattes arrière au niveau d'une corbeille. Là, on peut voir le petit tas de pollen sur la patte arrière de l'abeille. Donc, après la pollinisation par les abeilles, il y a les étamines qui tombent. Il ne reste plus que les sépales en forme de croix et le style qui surmonte un ovaire. Alors l'ovaire, il va grossir et il va donner un fruit qui est formé de quatre loges et chacune de ces loges va renfermer une à deux petites graines d'environ 3 mm de long. Et les graines sont fortement enchâssées dans ce fruit qui est ligneux. Donc c'est du bois en fait, c'est un fruit en bois. Alors le bois de pion, il est devenu rare car il a été très exploité pour son bois qui est réputé comme imputrescible. Mais également raison de son taux de régénération naturelle qui est très faible en raison de ce fruit très dur qui est imperméable à l'eau et il ne va libérer que difficilement les graines. Donc le fruit doit rester plusieurs années dans le sol avant que les graines ne soient libérées. Voilà, je vous remercie.